Hey, Matelot ici, Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un tutoriel sur Minecraft d'une tour moderne. Paf! Voici donc en face de moi, là-bas, la grande tour en noir et blanc. Hop! Et c'était en fonction d'un commentaire qu'on avait reçu lors d'une dernière vidéo, je vous fais un petit peu le tour hein, évidemment. Hop! Lors d'un commentaire qui nous avait été proposé par Lancecraft lors d'une dernière vidéo qu'on avait fait, il nous avait proposé de faire un bâtiment en hauteur. Et donc je me suis dit, tiens, effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de building, de tour sur Minecraft en tutoriel. Donc, c'est l'occasion. Merci à toi Lancecraft, et bien évidemment, vous pouvez proposer aussi vos idées pour les prochains tutoriels, bien évidemment, j'en tiendrai compte pour les prochains tutos. Voilà, donc voici un petit peu le bâtiment que l'on va réaliser, vous voyez, avec des étages en blanc, des étages en noir et une grande tour en vert au milieu. Hop, pour la cage d'escalier, vous voyez, mais bâtiment ultra moderne, du coup. Il nous restera encore un ou deux plots pour des tours encore d'ailleurs dans notre petit quartier. Et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On fait des lives aussi de temps en temps. Donc tout ça pour construire la ville que vous avez autour de moi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Hop, voilà ce que ça donne du coup sans les shaders. Et avec un peu plus de recul d'ailleurs. Donc une tour ma foi fort sympathique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et d'ailleurs, lors du dernier live, lors du dernier tutoriel devrais-je dire, on avait réalisé cette maison là en tuto, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi si ça vous intéresse. Maison entièrement en bois, comme vous pouvez le voir. Donc pour réaliser cette tour là sur Minecraft, je vais vous donner d'abord tous les blocs dont vous allez avoir besoin ainsi que leur quantité pour réaliser la tour. Hop, on va se mettre ici. Youp. Hop, ok, une fois que vous avez tout ça, je vous invite à vous munir du bloc de béton blanc, ok, du quartz lisse, pardon, franchement c'est pas du béton blanc, ainsi que du béton gris, comme ça on l'aura directement sous la main, et je vais venir vous demander de faire ce pattern là au niveau du sol, je vais vous donner les dimensions pour le réaliser, évidemment pour l'instant on a mis tout cela posé sur le sol, hein, tout bêtement, hop, donc une fois que vous avez ça, on va venir utiliser les blocs de quartz lisse, du coup comme on avait fait depuis tout à l'heure, pour pouvoir monter les murs ici en blanc, vous voyez, à 6 blocs de hauteur. On va faire le rez-de-chaussée ici, vous voyez, le grand morceau du rez-de-chaussée. Ce qu'on va faire, du coup, pour vous dire, on va d'abord faire la structure en blanc et en gris ici, vous voyez, seulement après on fera la partie en vert, voilà, on fera l'escalier en vert après, et après on fera le toit, et puis après tous les aménagements, et tout, ok. Donc l'idée ici c'est que l'on va faire des murs montés jusqu'à 6 blocs de hauteur, sur la partie en blanc, ici on en a 2, 3, 4, 5, 6 blocs, ok, et on va venir mettre comme ça, hop, des blocs de quartz du coup, jusqu'à 6 blocs partout. Hop, ok, une fois qu'on a ça, en réalité, on va pouvoir mettre aussi les fenêtres directement dans la structure. J'ai laissé quelques blocs ouverts sur le bas pour symboliser les fenêtres. Donc je vous les donner, en tout cas les accès aussi, je vous les donner au fur et à mesure. Ok, ici là, sur notre partie, à ce niveau-là, on va laisser deux blocs ici et deux blocs ici. Et vous voyez, on va mettre une fenêtre en plein milieu. On va mettre une fenêtre jusqu'à 4 ou 5 blocs de hauteur. Jusqu'à 4 blocs, ça va être mieux. Hop, comme ça, ok. Alors, je sais que, du coup, il y a plusieurs personnes qui me disent aussi dans les commentaires, des fois, que je fais des blocs, et après, je vous demande de les enlever, ok. Mais bon,
Honnêtement, c'est comme ça que je procède parce que je trouve ça plus simple de d'abord décrire la structure, puis après d'enlever les blocs pour les fenêtres et tout ça. Parce que c'est plus facile à expliquer pour moi, d'accord? Donc, je comprends que vous devez faire des murs et après les enlever, mais voilà, honnêtement, je trouve ça plus facile. Alors, sur le côté ici, on va mettre une fenêtre en plein milieu, on va compter 6 blocs ici sur le côté, d'accord? Ainsi que 6 blocs ici de l'autre côté en plein milieu. Enfin, 6 blocs à partir du bout. Et le reste, eh bien, on ne mettra rien dedans. Et on va mettre une fenêtre, du coup, montée jusqu'au... Hop, quasiment tout jusqu'au plafond, à un bloc en dessous le plafond. D'accord? Ici, comme ça. Ok. Alors, boing, 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 sur le devant ici. Là, normalement, ce sera la façade, en réalité, ok? Et donc, on va faire une ouverture à partir de... Alors, attendez, on va laisser combien de blocs ici? On va laisser 12 blocs, ok? Ici à là, vous laissez 12 blocs, et à partir de ce bloc-là, vous laissez 13 blocs d'ouverture de fenêtre. La fenêtre va faire 13 blocs de long, d'accord? On va la faire sur 4 blocs de hauteur, jusque-là, du coup, et on enlève toute cette partie-là sur 13 blocs de long. Hop! Ok, super. En face, du coup, vous voyez ici, il y aura l'accès pour le la partie en bleu, du coup, qui sera l'escalier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser 5 blocs de quartz ici de ce côté-là, ok, et on refait 5 blocs de trous ici pour pouvoir laisser un accès. On va le faire à 4 blocs de hauteur, lui aussi, ok, et on va faire une ouverture comme ça. Pour l'instant, on laisse ça comme ça, on touchera à l'escalier vraiment plus tard. Et ici, du coup, hop, donc vous voyez sur cette partie-là de la structure, on va laisser 4 blocs sur le côté ici, d'accord? Et on va faire une ouverture, hop, ici de 19 blocs de long, ok? Donc à côté de la partie en vert, on laisse 4 blocs sur le côté et 19 blocs d'ouverture ici. On va faire une ouverture sur 4 blocs de hauteur, comme pour quasiment tous les autres. Hop, j'ai fait un truc en trop, hop, voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre un tunnel, j'allais dire, ce qui n'a absolument rien à voir, un plafond, en fait, tout simplement. Hop, on va venir utiliser les blocs de quartz et on va venir mettre, voilà, le plafond, hop, de notre rez-de-chaussée. Et hop, alors, une fois qu'on a ça, on va vraiment finir le rez-de-chaussée assez rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les andésites polies, d'accord, et on va venir, hop, creuser des sillons. Vous voyez, au niveau des murs ici, vous voyez là-bas, on va faire pareil ici, on va faire pareil là, là-bas aussi, ok? Hop, ici comme ça, on creuse, hop, comme ça jusque l'autre côté, ok? Hop, ici aussi, et ici aussi. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre les blocs d'andésite poly dedans, hop, ok. Donc une fois qu'on a ça, eh bien vous voyez que tout l'intérieur du bâtiment ici est en herbe encore. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever l'herbe et on va y rajouter de la blackstone, donc de la pierre noire polie, du coup à la place, ok? Donc cette pierre-là, d'accord? Je rappelle que vous pouvez télécharger le pack de textures dans la description de la vidéo. Ok, allez, on remplace tout ça. Et hop Et donc ça nous fait quelque chose déjà beaucoup plus propre, d'accord? On va venir mettre un mur, on va rajouter un mur en fait. Hop, ici vous voyez on va utiliser du quartz et on va venir mettre un mur entre le bord ici de notre entrée. Ok, on se situe donc ici. On va mettre un mur ici. Hop, et là, vous voyez, donc le mur qui joint les deux bouts comme ça. On va laisser deux blocs d'ouverture au milieu évidemment pour pouvoir laisser un passage. Et sinon tout le reste... On va mettre un mur dedans. Ce qui va être pratique, en fait, ce mur-là, c'est pour casser le côté transparent du bâtiment. Vous voyez, ici, on a une grande ouverture. De l'autre côté, il y a une grande ouverture aussi. C'est pour éviter que lorsqu'on est en biais, comme ça, vous voyez, on puisse voir tout au travers du bâtiment. Ça ferait un peu bizarre. Voilà, c'est surtout pour ça, en fait, hein, je vais pas vous mentir. On va finir le sol en utilisant, du coup, les andésites polies. On va en mettre au niveau... de la cage d'escalier, il y a la future cage d'escalier en fait. On va mettre hop, de l'andésite partout en dessous du verre et de la cage en verre. Hop, comme ça on enlève toute l'herbe hein, bien sûr.
Hop, là j'ai mis un bloc en trop, mais hop, 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 voilà. Donc, hop, hop, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà mettre une ouverture à ce niveau-là et utiliser des andésites polies, les mettre comme ça, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, sur le côté, on va mettre aussi une espèce de parking, en réalité, que l'on va faire en andésite poly aussi. Donc, on va venir ici, et on va creuser un sillon de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs de longueur. On va venir après dans ce sens-là. Hop, et on va s'arrêter lorsqu'on est aligné avec les blocs là-bas. Ok, ici, là. Ok. L'idée, c'est que toute cette surface-là, on va la remplacer et on va mettre de l'andésite poly, d'accord? Youp! Hop! Voilà. Donc, pour l'instant, on a ça, ce qui est plutôt pas mal. Youp! De l'autre côté, véritablement, pour finir le sol, on va venir compter des blocs d'andésite à partir de là jusqu'à 10 blocs par là, d'accord? Donc, on a un bloc de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Pareil, on va dans ce sens-là, jusqu'à s'aligner avec les blocs là-bas. Hop, on revient ici, et toute cette zone-là, on va la transformer en andésite poly. Allez, hop. Et hop. Ok, donc, une fois qu'on a ça, on a notre petite entrée d'immeuble qui se dessine pas mal. J'ai pris le luxe de mettre en place la forme de l'étage du dessus. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment est fait le bâtiment, j'ai fait deux formes en fait qui sont identiques, une forme en blanc comme ça avec un petit renfoncement comme ça et une forme en gris qui en réalité sont les mêmes formes mais qui ont été mis à l'envers avec un petit décalage, vous voyez. Et donc ça nous donne ça. Après, une fois qu'on a ça, eh bien il suffit d'empiler ces choses-là les unes sur les autres 8 ou 9 fois de suite et ça nous donne un étage, un bâtiment tout entier. Après on rajoute sur la façade des murs végétalisés, des trucs comme ça. Mais voilà basiquement comment fonctionne le bâtiment. Donc je vais vous montrer comment faire un premier duplex en fait. Une première fois un appartement en gris, une première fois un appartement en blanc et puis après ça sera exactement la même chose. Donc je vais vous donner les dimensions pour réaliser la maison. Alors juste petite précision, ok, on va partir du bord de notre partie en vert ici pour avoir un repère, d'accord. On monte ici et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs sur le côté, un bloc par devant et un autre bloc ici pour commencer notre étage, d'accord. Et c'est là où on va avoir le coin de notre partie en gris. Maintenant que tout le monde a ça, je vais vous donner les dimensions. Une fois qu'on a ça, on va venir remplir la surface ici de notre deuxième étage en béton gris du coup. Hop. Et hop. Ok. Une fois que vous avez ça, on va venir monter les murs de cette partie-là à 6 blocs de hauteur. Ok. Youp, donc avec notre plancher ici, on a déjà un bloc, d'accord. Puis après, on va faire 1, donc 2, 3, 4, 5, 6 blocs en tout, d'accord. Et on va venir refaire une surface par-dessus, exactement la même en réalité, ok. Hop, ok. Donc ça nous donne ça. Et donc là, ça va être véritablement la forme des étages. On va venir remplir la surface ici de béton, hein, comme on avait fait juste en dessous. Hop. Et hop, ok, une fois qu'on a fini le toit du coup du premier étage, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre les murs en place. Et on va faire les fenêtres directement. Ok, on va venir commencer par ici. Donc ici, ce que l'on va faire, en réalité, on va déjà symboliser les arêtes, hein, comme ça. On va venir juste rajouter une couche, hop, sur le côté, sur le dessous et sur le dessus. Et on va mettre une grande fenêtre en plein milieu. Vous voyez, on va faire ça comme ça, et en plein milieu, il y aura une fenêtre. Il faut juste avoir deux épaisseurs ici, deux épaisseurs ici, deux épaisseurs ici, et pareil sur le côté, et en plein milieu, on met la fenêtre. Ok. Ici, du coup, sur cette partie-là, on va rajouter
hop, le pilier du coin, comme ça c'est plus facile pour se représenter. On va venir sur cette partie-là, mettre 1, donc là ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 blocs de mur complets, d'accord. De l'autre côté, pareil, 1, 2, 3, 4, 5 blocs de mur entiers, hop, ok. Maintenant qu'on a ça, on va venir rajouter une ligne au niveau du bas, hop, de béton, une ligne au niveau du dessus, et vous l'aurez compris, le milieu, ça sera une fenêtre. Ici, comme ça. Ok ? De ce côté-là, ce mur-là, il va être entièrement bouché. Comme ça, on se pose pas de questions. Hop. Et voilà. Ce mur-là, du coup, ça va être comme celui qu'on avait fait là-bas. C'est-à-dire qu'on va juste rajouter deux couches de chaque côté et on va laisser le trou au milieu pour la fenêtre. Ok, donc deux couches de béton sur le côté, sur le dessus, sur le dessous, comme ça, et puis c'est bon. Sur ce mur-là, alors ce mur-là, on va, hop, pareil, rajouter un bloc ici. Pourquoi il y a un bloc là? Alors, normalement, vous avez un mur comme ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mettre à partir d'ici une ligne comme ça. Ok, on va laisser 1, 2, 3 blocs vides. Hop, hop, on va remettre 2 blocs comme ça sur la hauteur. Ok, pareil, on va relaisser 1, 2, 3 blocs vides. Puis après, on va rajouter des murs. Ok, ici, on va rajouter une ligne sur le côté. Et on va laisser 2 blocs vides, non pas pour une fenêtre, mais pour une porte. Ok, et ici, on bouge tout. Ok, ici ça sera l'accès du coup pour la terrasse à ce niveau-là. Hop, et de ce côté-là en fait, sur ce mur ici, on va partir du bout là-bas, ok, et on va mettre, hop, 3 couches de béton ici comme ça à partir du bout. On va laisser 1, 2, 3, 4 blocs de longueur, enfin on va juste rajouter une ligne sur le bas, et on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs sur la longueur. On va mettre un mur de 3 blocs de large ici comme ça, d'accord. On va recompter 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça, puis 3 ici pour mettre un mur, et ici ça nous refera une deuxième fenêtre, ok, ici et là. Ici du coup on va utiliser cet espace là pour laisser un petit accès pour arriver à cette terrasse ici. Donc on va laisser 2 blocs libres, et à partir de ce pilier là jusque tout le reste du mur ici, on va entièrement le boucher et on va le remplir de béton. Hop, ok, donc on a vraiment fini la structure de cet étage là. On va venir faire directement l'étage du dessus. Donc je me suis permis de mettre en place les premiers blocs pour montrer l'étage. En réalité ça sera exactement la même chose que celui qu'on a fait en dessous, vous savez, en blanc ici. Vous voyez, c'est exactement superposé. Hop, vous voyez, on est exactement la même chose. La seule chose qui change en fait, hop, par rapport à la partie du dessous, c'est que ici sur le rez-de-chaussée, on avait étalé notre entrée sur une assez grande longueur, alors que sur, hop, vous voyez, donc on avait étalé l'entrée beaucoup plus long que sur le reste des étages, ok. Et les étages ici en blanc, hein, ok, ne dépassent en fait de l'étage ici, de la partie en béton gris, que de 5 blocs ici comme ça. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ok. Donc on vient compter à partir de là, hein, du coup à partir du bord en béton gris. 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'arrêtera là. Sinon c'est pareil qu'en dessous. Ok. Donc une fois qu'on a ça, on va venir rajouter des blocs de quartz au niveau du sol pour tapisser tout le sol ici comme ça. Et hop. Ok, donc vous voyez qu'on commence à voir notre petit bâtiment grandir petit à petit. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre le toit. Donc on va compter ici, hop, alors on est déjà à un bloc, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur. Hein. À chaque fois, ça sera 6 blocs de hauteur. Et on va venir refaire la même plateforme au-dessus, d'accord? Exactement la même chose. Et hop. Ok, bah du coup on rebouche, hein, pareil, on refait la même chose. Hop. Ok. Une fois qu'on a notre plateforme comme ça, on va venir mettre les murs et les fenêtres directement en place. On va faire
ce mur-là tout de suite. Donc on va déjà délimiter hop, le mur hein, lui-même, bien sûr. Ok, et en fait ce mur-là, on va le faire exactement de la même façon qu'on avait fait celui-ci, d'accord? C'est-à-dire qu'on va rajouter une ligne de quartz sur le dessous, sur le côté, sur le dessus, hop, 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 et aussi sur l'autre côté. Voilà, comme ça tout simplement, et l'intérieur sera une fenêtre qu'on mettra de la vitre. Ici, donc, on va délimiter le côté, enfin le mur lui-même, ok? Une fois qu'on a ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le côté ici. On va mettre deux blocs de mur ici, comme ça. Ok, comme ça, on a trois blocs. Et on va laisser une ouverture de deux blocs ici. On va mettre une barre comme ça. On va relaisser une ouverture de deux blocs, on va remettre une barre. Re une ouverture de deux, on laisse une barre. Re une ouverture de deux, et cette fois-ci, toute cette zone-là, hop, on va mettre du quartz partout. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, ce sera trois fenêtres et ici, ce sera une porte. Ok, on va venir faire ce mur ici, le grand mur à ce niveau-là. On va rajouter évidemment le coin déjà. Hein. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a ce mur-là, on va venir sur le côté ici et on va compter. Hop, on va mettre une ligne déjà sur quasiment toute la longueur. Pas tout à fait toute la longueur non plus. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs ici, 1, 2, 3, 4 comme ça, hop, donc on va faire une première fenêtre à ce niveau-là, d'accord, ici on va recompter 1, 2, 3, 4 blocs, ok, donc après derrière on recompte 3 blocs pour faire un mur, d'accord, hop, ici derrière on a une fenêtre de 4 blocs de large, ok, ici derrière on a un mur de 3 blocs de large. On va avoir un espace de 2 ici pour faire surtout de la longueur pour faire un accès. Hop, ici il y aura une terrasse, ok, et ce sera la porte pour y entrer. Ici à côté, on va faire un mur de 3 blocs, ok, et à côté, on va mettre une ligne sur le bas et on va faire 1, 2, 3, 4, ok. On va faire une fenêtre de 4 blocs en mettant 3 blocs sur le côté. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire le mur qu'il y a ici. Ici, très simple, on va rajouter une ligne de blocs au niveau du bas. Hop, une ligne au niveau du dessus. Hop, et deux lignes, hop, sur chaque côté, en plus. D'accord? Hop, ici sur le côté, alors on va rajouter le petit pilier ici, et sur cette ligne là en fait on va rajouter hop, deux blocs comme ça sur le côté, d'accord, on va venir laisser 1, 2, 3, alors je sais plus si c'est des fenêtres de 3 ou de 2 blocs, ce sont des fenêtres de 2 blocs, vous voyez, on va rajouter 3 fenêtres de 2 blocs, ok, hop, donc on va laisser 2 blocs, on met un mur, 1, 2 blocs, on met une ligne de mur. 1, 2 blocs, on met un mur. Et en réalité, on va mettre un mur jusqu'à... jusqu'ici, en fait. Vous voyez, pour être pile poil aligné avec ce mur-là, avec les vitres d'en dessous, ok, donc on va faire 3 blocs de large comme ça. Et en fait, ici, il va y avoir l'entrée, l'accès pour la future cage d'escalier. Donc pour l'instant on va juste rien mettre, on va laisser un trou et on va juste en fait laisser un trou de 3 blocs de hauteur, voilà, comme ça sur 2 blocs de large ici. On est bien, oui c'est ça, ok, et le reste du coup, hop, et ce mur là aussi pareil, on va le boucher entièrement, d'accord. Ok, une fois que l'on a ça, du coup, on a la base de notre pattern, de notre schéma que l'on va répéter jusqu'à autant qu'on veut, en fait. Là, je l'ai fait combien de fois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. J'ai 9 étages en tout, enfin, j'ai 9 duplex, parce qu'en réalité, les parties en grise et les parties en blanc, elles sont unies. C'est-à-dire que dans notre cage d'escalier, ici, vous voyez, on a accès, hop, hop, un duplex ici, c'est-à-dire que on a accès à la partie en blanc, ok, mais vous voyez que on n'a pas d'accès pour les parties en noir,
voyez, il est parti en gris ici, bien les étages, enfin les escaliers ne s'y arrêtent jamais. Tout simplement parce que, hop, dans les parties en blanc, on a des accès avec des escaliers pour une partie en gris qui est le même étage en fait, c'est un duplex tout simplement. Et hop, boing, boing, et là on a accès à la terrasse et tout ça. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hop, donc du coup, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre les accès en place, on va rajouter les vitres et les portes, et après il suffira de refaire exactement la même chose sur autant d'étages que vous voulez. Donc ici, pour accéder à cette terrasse-là, on va rajouter des portes. On va rajouter aussi des escaliers en quartz, ok, par devant, pouf pouf, ok. On va rajouter aussi des vitres, normalement je les ai là, au-dessus, comme ça, de la porte, ok. Et on va rajouter les accès du coup ici aussi, on rajoute les escaliers avec les portes, ok. Yep, voilà. De l'autre côté, il en manque une, hop. Du coup, non, en fait, c'est à l'étage du dessus. On va rajouter du coup sur cet accès-là, pouf pouf, des portes forcément. Paf paf paf, pouf. Voilà, avec des escaliers. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres accès? Oui, il y en a un par ici. Vous voyez donc la dernière fenêtre à ce niveau-là. Bah, ce n'est pas une fenêtre. C'est un accès avec des portes. Hop, 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 hop. Ok, donc une fois qu'on a ça, tout le reste des trous qu'on a mis dans les murs vont être entièrement vitrés. Vous voyez, ici, ici, en dessous, etc., etc. Partout là où il n'y a pas des portes, on met des vitres. Allez, let's go. Oui, juste, j'ai oublié de prévenir, évidemment. Hop, on va rajouter aussi des portes au niveau des entrées. Là, il y aura la cage d'escalier qui va venir ici. Donc, à ce trou-là, on mettra des portes aussi. Voilà, j'ai juste oublié ça. Sinon, on met des vitres partout. Et hop, vous voyez, j'ai mis de la vitre partout du coup. Ça rend quand même un peu mieux. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir aménager les terrasses, hein, comme ça, ce sera fait. Donc, ce qu'on va venir, c'est utiliser les murets en grès, ok. Et on va venir les mettre, alors ici, sur la longueur, je crois qu'on n'en aura pas besoin. Hop. Mais on va quand même les mettre, hein, parce qu'après tout, pourquoi pas. On va mettre du coup des murets en grès sur les bords de notre partie ici qu'on va utiliser comme terrasse, d'accord, comme ça. Hop, pareil ici sur cette partie là on va venir prolonger le mur ici, hop, comme ça, youp, hop, comme ça, ok. Sur le dessous, on va venir utiliser les murets comme ça, hop. Youp, ok. Et pareil, ici, on va venir dans le prolongement du mur, hein, là uniquement, et on va laisser comme ça deux blocs de marge sur le côté, parce que, voilà, histoire de faire design prout-prout, un peu, tu vois. Est-ce qu'on va jusqu'au bout d'ailleurs? Ça fait un peu moche, non? Non, non, en fait c'est ça. Hop, donc voilà, on fait vraiment tout le tour en grès. Hop, comme ça. Ok. Donc une fois qu'on a délimité comme ça nos terrasses, hein, eh bien on va venir mettre des trucs dessus, des bronzates comme moi j'aime bien les appeler, les transats mais pour bronzer, tu vois. La petite astuce qu'on va utiliser, c'est que l'on va utiliser des escaliers, enfin on va mettre des tables et des transats en blanc sur la partie en noir ici. Là vous voyez le sol est en noir, donc si on met des transats en escalier comme ça, avec un escalier et une dalle, et qu'on les met en blanc, bah ça va ressortir vachement plus, ok. Par exemple, on met une table ici avec des chaises, hein, des chaises en escalier. On va venir mettre un petit pilier par exemple avec une plaque de pression par-dessus, genre comme ça. Vous voyez, bah ça nous fait une petite table avec des chaises, mais comme c'est sur blanc sur fond noir, et bien du coup ça ressort vachement, ok. On va venir rajouter sur le côté ici, hop, des barrières, par exemple comme ça, ou en blanc, et des feuilles, bien sûr, et on va venir, pouf, 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 comme ça, faire des petites décorations avec des feuilles et des plantations, enfin de la végétalisation.
Ok, donc on fera la même chose là-bas, hein, pareil. Alors, la petite astuce, c'est que lorsqu'on va faire du coup des terrasses avec le sol blanc, eh bien ce coup-ci, on va utiliser les escaliers noirs, les escaliers et les dalles noires. Alors attends, voilà, je les ai trouvés. Et donc, voilà, les escaliers, on peut le faire aussi en bois très foncé. Vous savez, le bois de chêne foncé. Voilà, on va les mettre carrément au bord, hein. Hop, ici comme ça, avec des dalles par devant. Ça nous fait vraiment un bronzate bah, qui se voit en fait. Et ça c'est bien, on aime se la péter en se montrant de manière extrêmement ostentatoire. Alors, on va rajouter aussi une table tout en longueur parce que ici on peut. Hop, ah oui alors vaut mieux pas trop coller au muret ici, sinon vous voyez ça nous fait des jointures et c'est moins beau. C'est moins beau. Hop, par exemple, paf, paf, comme ça. On met une ligne d'escalier comme ça, espacée. Une ligne de blocs comme ça. Voilà, et ça nous fait une jolie table. Ma foi, d'accord. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir ajouter voilà, quelques blocs de barrière, des feuilles par-dessus, et ça nous donne quelque chose de joli tout plein. On aménagera l'autre terrasse, vous voyez, en blanc de la même façon. Donc si c'est sur sol blanc, on met des trucs noirs par-dessus pour que ça ressorte. Et si c'est sur sol noir, on rajoute des trucs blancs par-dessus pour que ça ressorte. Voilà, tout bêtement. On va juste rajouter une petite chose, hop, que je n'ai pas dans mon inventaire là. C'est ça, vous voyez, des trappes en bois que l'on va venir plaquer contre le long du bâtiment ici. Vous voyez, mais uniquement sur la partie en gris. Ok. Donc je vais vous dire où est-ce qu'on va les mettre. Hein. On va les mettre, youp, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Non, 5 et 6 blocs, pardon, du bord du bâtiment en gris. Un autre repère que l'on peut prendre aussi, c'est que c'était aligné avec cette fenêtre-là, ok. Pouf, pouf, ok, pouf, pouf, voilà. Maintenant qu'on a ça, du coup, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre autant d'étages en hauteur que vous voulez. Par exemple, moi, je vais en mettre 9 ici, comme sur mon modèle. Hop, alors, voici ce que ça donne. Du coup, je l'ai fait 8 fois avec 8 étages au total. Donc, bah, ça commence à rendre plutôt pas mal, même si on voit des portes qui donnent sur absolument rien du tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le toit, le dessus. Et on va faire du coup aussi la cage d'escalier, c'est ce qu'on va commencer par faire. Hop, donc vous voyez, pouf, on a toute une zone ici, on va pouvoir mettre la cage d'escalier. En fait, on va la faire, hop, monter jusqu'à 3 blocs au-dessus de la dernière partie en blanc. Vous voyez, hop, c'est pour ça qu'il va falloir pas mal de blocs de bleu, de vitres bleu clair en fait. Hop. Pour vous dire, ok, voilà. Donc ici, vous voyez, on arrive quasiment au sommet de l'immeuble. Vous avez la dernière partie en blanc, le dernier étage en blanc. On va juste mettre 1, 2, 3 blocs au-dessus. Et point, c'est tout. Ça sera le sommet de la cage d'escalier. D'accord. Hop, on va la faire. Hop, allez, jusque dans le coin. Voilà, après, on mettra une vitre ici. Youp. Ok, on laisse un bloc de marche par rapport au bord. Hop, on fait un carré comme ça. Et l'idée, c'est de prolonger la cage d'escalier tout jusqu'en bas. À la seule différence qu'évidemment, il faudra laisser de la place pour les portes. C'est-à-dire qu'on va juste avoir ça comme ça. C'est-à-dire du coup des portes qui sont dans la façade, mais surtout avec deux blocs par devant comme ça pour pouvoir accéder aux portes, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait à chaque étage des vitres bleues autour des portes comme ça, ok. Ici là par exemple, on fera comme ça, hop 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 hop, ok, avec un bloc en dessous pour mettre des escaliers, pour mettre l'accès aux escaliers par là, ok, vous avez compris. Et sinon toute cette zone là, tous les escaliers, pas les escaliers, les murs en verre partout, on va les boucher en fait, tout simplement, on va entièrement les reboucher. Et hop, voilà ce que ça donne du coup, hein, lorsqu'on a monté tous les murs en verre de notre tour en verre. Hop, je vais m'éloigner un petit peu, vous voyez ce que ça donne.
Ok, maintenant du coup on va mettre les escaliers dans la cage d'escalier. Hop, on va venir du coup ici. Ouais, quelque part par là je pense. En tout cas, le plus simple c'est de partir directement de là. Hop, on va faire une petite plateforme comme ça. Par exemple, voilà. Et l'idée c'est qu'à partir du coin ici, on ait une espèce de plateforme de 3x3. D'accord ? On va venir sur le côté ici comme ça, rajouter des escaliers, pouf pouf. Alors, ok, comme ça. Une fois qu'on est à deux blocs d'écart du mur ici, on va juste rajouter une ligne, enfin deux blocs de quartz comme ça. Et on va rajouter deux quartz comme ça. D'accord ? Youp, paf, 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 paf. On en met aussi à l'envers, bien sûr. L'idée étant d'essayer de faire comme ça. Voilà, comme ça, on a une espèce de petit coin d'escalier comme ça. Ici, paf, paf, on rajoute un escalier, tout simplement. Paf, paf, dans le coin, on rajoute deux blocs de quartz. Ici, on essaie de faire ça comme ça, puis comme ça. Vous voyez, pour avoir toujours l'escalier en coin ici, comme ça. Pouf, 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 voilà, jusqu'à avoir deux blocs d'espace par rapport au mur ici. On rajoute deux blocs de quartz dans les coins, vous commencez à comprendre le principe, hein, c'est toujours la même chose, on met deux blocs de quartz dans les coins, on met un bloc en coin comme ça, vous voyez, et on revient comme ça, jusqu'en bas. Donc là, on a vraiment l'entrée qui est pile poil en face du reste du bâtiment. Évidemment, du coup, on se met à l'envers. Hop, et on rajoute les escaliers à l'envers qu'il faut. Hop, pouf, 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 pouf. Ok. Voilà, youp. Et hop, tada. Alors, le truc qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir avoir exactement le même escalier pour chaque étage. Pour tous les autres étages, c'est exactement le même escalier, puisque si vous vous remarquez bien, eh bien, on arrive... pile poil au même endroit où on l'avait laissé. Vous voyez, on en avait commencé l'escalier ici, et hop, eh bien il suffit de repartir exactement de la même façon. Donc, alors, attendez. Bref, on rajoute des escaliers comme ça. Ok, ici on a deux blocs, donc on rajoute paf paf. Un escalier en coin. Ah bah non, du coup, c'est un escalier comme ça, voilà là. Pouf, pouf, ok. Paf, paf, comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4. Ok, là, c'est bon. Donc, une fois qu'on est comme ça, on est bon. Hop, paf, paf. 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 Voilà, merci, l'escalier en coin. Pouf, pouf. Hop. Comme ça. Comme ça. 1, 1, 2, 3. Ok, et là, pareil, on retombe sur nos pieds. On peut enlever cette partie là d'ailleurs aussi. Hop, ok. Et là pareil, on peut rajouter évidemment les autres escaliers où il faut. Vous avez compris l'idée du coup, et c'est toujours pareil, hein, c'est le même escalier, enfin les mêmes agencements de blocs à chaque fois. Voilà, et etc, etc, tout jusqu'en haut du bâtiment. Donc l'idée, hop, c'est que la cage d'escalier, elle est vraiment sympathique dans le sens que vous voyez, il y a un écart entre le bâtiment ici et la cage d'escalier. Vous voyez, un coup elle est collée au bâtiment, un coup elle est plus collée au bâtiment, il y a un écart, un coup elle est collée, un coup il y a un écart, etc. etc. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est un bâtiment qui a été conçu pour ça d'ailleurs, en ayant des écarts un peu partout, et je trouve ça plutôt sympa. Allez, on fait l'escalier touche qu'en haut du coup. Hop. Et voilà, du coup on arrive vraiment au sommet, hein, vous voyez. Hop. Avec un trou qui nous peut nous permettre de redescendre beaucoup plus vite. Bon, après vous vous transformez en compote, mais c'est un autre problème. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire du coup, eh bien plus grand chose. On va faire le toit et après on fera les grandes parties végétalisées. Hop. Alors, le dernier étage. Ce qu'on va faire au dernier étage, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, il me semble que... Il y a deux trucs que l'on doit faire encore, c'est aussi de mettre les escaliers à l'intérieur des duplex. Vous voyez, ici là on est au premier étage, mais on ne peut pas aller en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évidemment les étages. Hop, alors... Mais l'idée tout simplement, c'est d'aller dans une partie en gris, ok, et de vous
décalé à côté de la porte, soit directement à côté de la porte, comme ça au moins c'est plus simple. Voilà. Jusqu'à combien de blocs on peut mettre, je sais pas. 1, 3, 4, 5, 6 blocs peut-être. Et après on va mettre... hop. Des escaliers comme ça jusqu'en bas. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. 6 blocs, c'est bon. Donc, on peut faire ça comme ça. Hop. Avec des escaliers à l'envers aussi, en dessous, bien sûr. Hop. Ok. Donc, avec l'étage en blanc qui monte vers l'étage en gris. Ok. Et après, il n'y aura pas besoin de mettre... De mettre autre chose après, parce que évidemment pour passer au duplex suivant, il suffira, ah bah non là on peut plus monter, mais suffira de descendre ou de monter grâce à la grande cage d'escalier ici. Ok, pouf pouf. Alors où est-ce que j'en étais? Oui, du coup il faut faire le sommet, le toit. Donc ici on est sur le dernier appartement, l'appartement le plus en hauteur du coup de la tour. Donc du coup c'est celui qui est le plus luxueux, le plus prestige si tu veux. Ok, et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément aménager un toit terrasse spécifiquement pour le dernier étage, tu vois, comme ça le mec qui est au dernier étage, il se la met bien, mais il se met très très bien. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever la fenêtre ici, hop, voilà, on va enlever la fenêtre, on va mettre que du béton partout, et on va venir enlever aussi une partie du muret ici comme ça. On va venir mettre, hop, comme ça, des murs de béton sur le côté, comme ça, pour avoir une sorte d'escalier, vous voyez? Youp! Voilà, donc comme ça, on a une sorte d'escalier qui monte sur le toit, et en réalité, ça va être une rambarde. On va mettre l'escalier au milieu, paf, 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 paf. Paf, ok, vous avez compris l'idée. Voilà. Une fois qu'on a ça, du coup, youp, on relie avec notre petit muret en grès ici. Et on va rajouter une espèce de terrasse couverte. C'est-à-dire qu'on va utiliser les murets en grès encore une fois. Et on va venir faire hop, un muret comme ça qui va tout jusqu'au bout d'ailleurs, je crois. Hop, il me semble qu'il va jusqu'au bout. Oui, voilà, il va jusqu'au bout, mais c'est le toit lui-même qui ne va pas jusqu'au bout. Ok, c'est le truc à ne pas oublier. Yep. Ok, on va jusque là. Ok, on prend pas cette partie-là. Cette partie-là, ça fera partie du toit de l'immeuble de manière générale, et pas partie du toit terrasse. Yep. Hop. Ok. Vous voyez l'idée. Et l'intérieur ici, comme ça, de notre partie en grès, là où on a encadré en grès, on va le mettre en bois. On va utiliser du bois de chêne classique. Ok. Hop. Et on va enlever le sol. Hop. Voilà, donc comme je disais un peu avant, évidemment, il y en a dans les commentaires qui des fois disent que je demande de construire des trucs pour après les enlever, donc là c'est typiquement le cas, mais encore une fois, voilà, c'est parce que c'est plus facile à expliquer pour moi après de faire des généralités au niveau de la structure du bâtiment, et après d'aller dans les détails en changeant des choses. Mais voilà, c'est comme ça que je fais, je compte continuer comme ça parce que je trouve ça plus facile. Voilà, c'est le petit point de détail qui peut peut-être en gêner certains. Alors là, on a quasiment fini. Hop. Il nous faut maintenant plus qu'à remplir toute notre surface ici comme ça avec du bois de chêne. Allez hop, hop, ok. Donc, une fois qu'on a ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les murets en grès et on va venir mettre des espèces de piliers pour soutenir un espèce de toit terrasse. Enfin, un toit, tout simplement, sur trois blocs de haut. Ouais, hop. Voilà, on va faire la même de chaque côté. Ici, par exemple, on laisse 2, 3, 4, 5, paf. 1, 2, 3, 4, 5, paf. 1, 2, 3, 4, 5, paf. Est-ce que ça va un peu loin, peut-être, ici? Bon, on va jusque là. Youp, la même chose de l'autre côté. Hop. Hop, vous voyez. Et on les met...
à 3 blocs de hauteur. Hop. Et une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles de quartz ainsi que les ainsi que les panneaux solaires. Et on va venir mettre un grand toit finalement, hein. Un grand toit final. Pouf. Hop. Ok. Ici comme ça. On pourrait rajouter d'ailleurs voilà, une dalle sur le côté ici. Pour que ça fasse un toit un peu plus allongé, on va dire. Hop. Et hop, ici aussi. Voilà, une fois qu'on a ça, ben on le rebouche entièrement de dalles. C'est juste au niveau du milieu, on va laisser juste une ouverture au niveau du milieu pour mettre des panneaux solaires. Hop. Et hop, ok. Donc j'ai laissé en plein milieu, du coup, une ouverture de 3 blocs sur le milieu. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs ici de chaque côté, je suppose. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dans 7 ici. Ok, j'enlève un morceau ici, du coup. De sorte, voilà, à avoir un trou en plein milieu. Et on va le reboucher, comme je disais, avec des panneaux solaires. Alors, habituellement, les panneaux solaires, je les mets en mode nuit pour que ça soit plus... logique, en fait, on va dire. Mais je vais pas le faire ce coup-ci pour changer, déjà. Et puis, voilà, je sais pas, j'ai envie de changer, effectivement. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, ce qu'on va rajouter, c'est plusieurs choses. On va rajouter une antenne, déjà, quand même. Donc, on va aller sur la partie ici, et on va venir faire un espèce de surélévation comme ça en béton sur deux blocs de hauteur. On va venir utiliser les cobblestone walls, donc les murets en pierre, ok. Paf, 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 comme ça on va faire une espèce de croix, de triangle, enfin de croix, pardon, triangle pas du tout, voilà. Comme ça, plus deux blocs par-dessus. On va venir rajouter par-dessus ça du coup, des barres de fer avec... Voilà, une torche de redstone, ok, pour faire une antenne. 1, 2, 3, 4, allez, 5 barres de fer. Et comme ça, voilà, ça nous fait une petite antenne assez haute. C'est pas mal. Sur le côté ici, on va venir rajouter des bouches d'aération. Des trucs extrêmement classiques sur Minecraft, mais qui marchent très très bien. On va venir utiliser du coup des rails avec des plaques de pression en fer. Ok. Youp. Paf, paf, on fait ça comme ça, on laisse passe de deux blocs les rails entre eux, et on fait, hop, hop, une ouverture comme ça. Voilà, pour laisser une aération, pour faire croire à des bouches d'aération en fait. Et de l'autre côté ici, vous voyez, à ce niveau-là, on a laissé une partie vide, on va y mettre des feuilles en réalité. Est-ce que j'ai rajouté autre chose ? Ah oui, un paratonnerre, oui, parce qu'on a des paratonnerres maintenant dans Minecraft. Donc effectivement, on va utiliser un paratonnerre. Hop. Et le mettre sur cette partie-là. Voilà. Avec des feuilles à côté. Alors, je sais pas si c'est très RP de mettre des feuilles à côté d'un paratonnerre. On va dire que oui, hein, voilà, parce que j'ai pas envie de me renseigner. Voilà, on va mettre quelques feuilles comme ça, histoire de dire... Ok, donc maintenant, ce qui nous reste, c'est plus grand-chose. On va faire des espèces de murs végétalisés, vous voyez. Donc des murs comme ça. Hop, on va venir utiliser des planches de bois de chêne. Hop, ok. On va venir utiliser des feuilles, des barrières, des laines grises, ok. Et aussi, du coup, des glowberries, donc en français... Des baies lumineuses, hein, tout simplement. Voilà. Et l'idée, c'est de les mélanger de manière tout à fait aléatoire dans une grande cage, en fait, qui va être posée sur tout le reste des bâtiments. Et comme vous le savez, du coup, il y a un décalage entre les parties en blanc et en gris, ce qui fait qu'un étage sur deux, on a un accès derrière l'espèce de mur végétalisé. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de relief dans ce bâtiment. Moi, j'aime bien. Et après, évidemment, on va faire exactement le même mur sur le côté ici, vous voyez. Parce que pourquoi pas, on a la place, donc on va le faire. Donc, allez, l'idée, c'est qu'on va utiliser les planches de bois. Ok, on va venir
sur le côté ici, hop, ou plutôt on va laisser hop, un bloc de marge par rapport au mur, hein, hop, et on va venir mettre voilà, une ligne comme ça, je ne sais plus, de 10 blocs de long, hein, ok, donc là on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pouf, et on va faire hop, un grand cadre qui va aller tout jusqu'en bas, voilà, donc jusqu'à la dernière partie en gris ici, hein, vous voyez, et puis après on va remonter de l'autre côté comme ça. Hop, ok, donc vous voyez ce que ça nous donne comme cadre, hein, à peu près. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les barrières, les feuilles, les laines grises, et on va les mettre de manière un petit peu aléatoire, en fait, voilà, dans, hop, dans tout ça, dans cette espèce de grand cadre ici, comme ça, on met des laines un peu n'importe où, n'importe comment, des, hop, évidemment, les zones où il y a un trou, ben, c'est plus difficile à combler, mais bon, c'est pas grave. Hop, vous voyez, hop, voilà. Voilà, faut vraiment les mettre de manière complètement au hasard, en fait. Ah tiens, on a mis un trou ici. Yep. Voilà, voilà. Hop, je vous montre sur cette partie-là, comme ça, ça sera la même chose pour toutes les autres parties, bien sûr. Hop, après on utilise les feuilles. Ok, par exemple. Après, on peut utiliser les machins comme ça, donc les barrières, tout simplement. Alors, la seule chose, du coup, auquel il faudra faire attention, c'est que on ne peut pas placer les globeries, ok, en dessous de feuilles, ok. Vous voyez, on peut, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les laines vertes, justement, pour pouvoir placer des globeries en dessous, ok. Donc, il faudra essayer de laisser suffisamment de place pour les laines vertes. Comme ça, les globeries pourront pousser. Hop, sur le bois aussi, ça marche. Sous les barrières, ça marche pas. Sous les feuilles, ça marche pas. Donc, on est obligé d'utiliser des laines vertes de temps en temps. Ok. Pour pouvoir faire pousser des globeries. Et sur les endroits où on peut rien mettre, eh ben, on rajoute d'autres choses. Hein. Paf, paf, comme ça, vous voyez, on essaye de faire en sorte que ça soit pas très régulier. Etc, etc. Donc, vous refaites exactement ça. Mais surtout, le long de notre grand mur végétalisé, en fait. Allez, hop. Ah bah oui, non, je peux pas ici. Pouf. Et hop. Alors, on peut même rajouter, évidemment, sur les globeries, vous voyez ici. Ah, que l'on rajoute ça. Vous voyez, avec les poudres d'os, on peut rajouter de temps en temps, hop, des fruits sur les globeries, enfin, les baies lumineuses. Ce qui peut rendre un peu sympa, tu vois, vu de loin. Comme si l'arbre, enfin comme si la tour était dans une espèce, un sorte de très grand arbre, tu vois. Qui donne des fruits. Moi je trouve ça sympa. Bon, ça se voit pas vraiment. Ça se voit pas beaucoup, mais bon, c'est le petit truc quand même au cas où, tu vois. Ah, ça fait de la lumière, c'est bien. Donc du coup, évidemment, on peut rajouter exactement la même chose sur le côté ici. Vous voyez, sur le côté à ce niveau-là. On rajoute exactement pareil. C'est-à-dire que on va ici, par exemple, et on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, un de moins, peut-être juste 9 alors, du coup. Ah bah non, du coup, on scrolle sur le côté. Donc ça fait 10 ici. Vous voyez, on bat tout jusqu'en bas. On fait un grand cadre. Et puis on ferait la même chose, en fait, c'est exactement tout pareil. Donc je vais pas refaire, hein, c'est identique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le sol, en fait, le sol au niveau de l'entrée. Youp, vous voyez, toute cette entrée ici, là, ça fait un petit peu vide, finalement. Le mur est tout blanc, bon, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bassin en place. Vous voyez, on va faire des espèces de... On va utiliser des vitres noires. Et on va faire des espèces de sculptures un petit peu modernes, prout-prout, tu vois, dans l'idée. Moderne prout-prout, avec un petit bassin, les pieds dans l'eau, tu vois, une sculpture en verre, les pieds dans l'eau, voilà. Plus prout-prout que ça, tu peux pas, à part peut-être les Parisiens, mais encore, pas tous. Oui, ça parle mal, c'est m'en fiche. Donc voilà, on va faire une espèce de petit bassin, on va rajouter une petite haie devant, et ainsi que deux petits arbres, voilà, sur le côté. Parce que, voilà. Donc, on va rajouter des escaliers en quartz, on va utiliser du béton bleu, on va utiliser des vitres noires et
et des feuilles, et puis voilà, hop. Alors, on va venir ici sur le côté de notre parvis, creuser 3 blocs sur la longueur du machin, du mur, ok. On creuse en dessous le mur aussi, et on rajoute du quartz ici comme ça, ok. On va rajouter les blocs d'escalier en quartz, hop, hop, ok. Et on creuse tout là-dedans pour rajouter du béton bleu. Hop, hop, ok. Une fois qu'on a ça, on va utiliser les blocs de vitre noire, paf, paf, ici comme ça, et décaler d'un bloc sur le côté ici, et décaler d'un bloc à chaque fois, vous voyez, un bloc entre à chaque fois, pouf, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous voyez, pour avoir des espèces de vagues comme ça. D'ailleurs, non, on va faire 3 blocs en hauteur et 5 ici, tu vois. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Une fois qu'on a ça, du coup, on va utiliser l'eau. Voilà. Et on met de l'eau dans notre bassin. Et magnifique, on a une sculpture ultra moderne prout-prout, comme on les aime. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir ajouter quand même des feuilles. L'idée étant ici de rajouter une espèce de haie devant tout ça, avec un petit bloc d'espace par rapport au parvis peut-être, histoire de faire un petit peu élégant. Non, histoire de faire prout-prout, tout simplement, prout-prout. Le prout-prout, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par là, c'est du pseudo-élégant, des mecs qui ont beaucoup, beaucoup trop réfléchi à faire quelque chose d'original, du coup, ils font n'importe quoi. Voilà, c'est ça que j'appelle le prout-prout. Mais c'est quand même élégant, mais c'est quand même n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est subtil. Hop, on met des haies partout, sauf devant les fenêtres, parce qu'encore une fois, prout-prout, voilà. Pouf. Pouf, voilà, pouf ici aussi par exemple, on va rajouter jusqu'ici, ok, par exemple, hein. Allez, on peut mettre ça comme ça par exemple, comme ça, ça nous fait voilà quelques haies, j'utilise pas souvent les haies, et pourtant c'est bien. Donc ici de l'autre côté, vous avez bien compris, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, un bassin avec du béton et tout ça, tout sur toute la longueur de notre partie ici. Donc je vais pas le refaire évidemment. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est que l'on va faire des grands arbres. Enfin des grands arbres, par rapport à la taille de la tour, c'est assez relatif, mais des arbres comme ça. Style un peu Toscane, Italie, Sangria, bon c'est pas italien, mais... Ah, bref. On va se mettre ici. Voilà. Donc imaginez qu'il y a le bassin et tout, hein, bien sûr. On va se décaler quand même de quelques blocs. Du mur, enfin du bâtiment pour être sûr d'avoir la place. Et on va faire, hop, un tronc ici comme ça de 6 blocs de hauteur. Comme pour la, comme pour le truc à côté là. Hop, on va mettre, je sais même plus combien du coup, 12 blocs de feuilles je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, comme ça. Et on va venir mettre... Hop, des feuilles sur le côté, comme ça, histoire de faire une forme d'arbre comme on trouve en Italie, justement. Hop, hop, et pas qu'en Italie, vous me direz, mais voilà, spontanément, ça fait penser à ça. Hop, hop, ok, voilà. Voilà un peu le genre d'arbre que vous pouvez faire. Vous pouvez faire plus grand, je crois que je les avais fait plus grand là-bas. Ok, oui, je les avais fait un petit peu plus grand, et au niveau du milieu ici, j'avais rajouté quelques feuilles en plus, vous voyez. Hop. Voilà, je vous montre bien comment c'est fait pour ceux qui veulent les reproduire. Voilà, l'idée c'est d'avoir des arbres qui ressemblent à ça. Grosso modo, alors, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon au niveau de la construction de ce bâtiment. On est pas mal, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. On peut rajouter un arbre ici d'ailleurs, comme tu peux le voir, parce que, voilà, jusque là on est bien. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. On se retrouve la prochaine fois pour une autre maison moderne, je pense. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la...
prochaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi.